وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Et il t'a trouvé عائلًا, il t'a trouvé pauvre, فَأَغْنَى, alors il a enrichi. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, il a subi les difficultés, où ils ont subi aussi le blocus. Ils n'avaient même pas de quoi manger. Et après, Allah tabaraka wa ta'ala lui a ouvert les portes des victoires, des batailles et des butins. Et tout cela est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Donc il a enrichi les musulmans par cela. N'est-ce pas? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a trouvé pauvre, il l'a trouvé nécessiteux. Il l'a enrichi, subhanahu wa ta'ala, et il a enrichi tous les musulmans qui étaient aussi pauvres, qui étaient dans la difficulté, qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu après comment l'islam s'est répandu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais après sa mort, de la Chine jusqu'à l'Andalousie. Est-ce que vous avez déjà vu un empire dans le monde qui a été aussi vaste que cela? Même l'empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire perse, ils n'ont pas atteint ces distances-là que l'Empire musulman a atteint en très peu de temps. Ah.